Bienvenue sur la chaîne. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. On se retrouve dans Forza Horizon 5 pour le festival automne et on va maintenant s'attaquer au labo d'épreuve avec le premier labo d'épreuve. John C. présente. C'est parti. Alors on choisit la zone solo. Alors, vous prenez n'importe quelle voiture, vous vous mettrez de toute façon en facile, donc prenez la voiture que vous avez envie. Si vous vous mettez en solo, ça passera. Alors apparemment, ce sont toutes des voitures classe B. Je vais prendre la Mazda RX-7, voilà. On va regarder s'il y a des concurrents ou pas. Grille de départ, aucun concurrent. Donc je ne sais pas si ça ramène plus d'XP ou pas. Mais mettez-vous donc en imbattable puisque il n'y a pas de concurrent. Activez bien, rembobinez des fois que vous tombiez d'un pont ou que vous ayez une bêtise et que vous n'ayez pas envie de recommencer. Comme ça vous êtes tranquille. Et on y va. On fait simplement la course et puis c'est bon. Faut pas se casser la tête. Il faut quand même faire 3 tours. Alors déjà c'est mal barré. C'est parti. Il faut faire 3 tours et tourner à droite tout de suite. Faites attention, ici directement tournez à droite et c'est reparti pour une histoire de ponton à la con. Donc si vous tombez, je suppose qu'il y aura encore des soucis. Donc on est reparti pour un autre truc. Oh là là, c'est encore pénible. Ah ça va, c'est déjà mieux. Ah il y a quand même eu des checkpoints lui. Donc pas moyen de co-circuiter. Ah c'est déjà le deuxième tour, ouf. Ça va aller vite. Bah c'est des courses qu'on n'a pas forcément envie de faire. Oh là là, qu'on n'a pas forcément envie de faire, qu'on fait parce qu'on nous les impose. Moi je les fais parce qu'il faut pour les points, mais sinon je les ferai probablement pas. J'ose même pas imaginer s'il faut doubler des voitures ici. Ça doit être l'enfer. Au moins c'est court. Allez, on freine et hop. Ah bah je vais faire marche arrière. Hein. Bon, je vais pas rembobiner, hein, mais j'aurais pu. Allez. Et voilà, c'est fini. Enfin, délivré. Et normalement, ça a dû valider. 1 minute 49 de votre temps, ça va. Et voilà, on a obtenu la récompense saisonnière. Et voilà, le labo d'épreuve est terminé. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Forza Horizon 5. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne.